Bonsoir à tous et bienvenue au sixième jour de la campagne électorale. Le candidat indépendant Kouadio Konaberté affûte ses armes pour la présidentielle. Il a lancé ce mardi les activités de sa web TV pour mieux communiquer avec les internautes et séduire d'éventuels électeurs. Au RHDP, le directeur de campagne chargé du projet de société du candidat Patrick Lachy a échangé avec le patronat. Il a dressé le bilan des actions économiques du candidat Alassane Ouattara devant les chefs d'entreprise. Il a également dévoilé les ambitions des prochaines années qui mettent un point d'honneur sur l'industrialisation. Et puis la reprise timide de l'école ce mardi suite à la suspension du mot d'ordre de grève de la FESI. L'organisation dit préconiser la voie de la négociation. Malgré cette suspension, dans plusieurs établissements scolaires, les élèves ne se sont pas bousculés à l'entrée des classes. Nous sommes au sixième jour de la campagne électorale, à 11 jours de la présidentielle ivoirienne. Le candidat indépendant Kouadio Konaberté affûte ses armes pour le scrutin. Il a lancé ce mardi les activités de sa web TV, une télévision en ligne, pour se rapprocher davantage des internautes et séduire d'éventuels électeurs, comme nous le montre Salif Yalekwe. QG de campagne du candidat indépendant Kouadio Konaberté dit Kakabé ce mardi. On passe à une nouvelle phase de la campagne électorale. Une télévision en ligne, KKB TV, est désormais lancée. Avec un objectif, mieux promouvoir les idéaux et le programme du candidat. La KKB TV est née dans un souci d'apporter des redressements à tout ce qui se dit sur le candidat, contre les membres de son équipe et sur les membres de son équipe. La Web TV KKB est né justement pour redresser l'opinion sur les actions qui sont prêtées au candidat Kouadio Konaberté. L'image de notre candidat nous tient à cœur. Une réalisation saluée par l'ancien parlementaire engagé pour la seconde fois après 2015 dans la course au fauteuil présidentiel. C'est un chef-d'œuvre et je voudrais donc le féliciter. Je pense que c'est un outil supplémentaire qui devra donc nous conduire inexorablement vers donc la victoire. Bravo à toute l'équipe, bonne chance à nous tous et que la Côte d'Ivoire gagne au soir du 31 octobre. Ce lancement a été une occasion de faire un tour d'horizon sur l'actualité sociopolitique du pays. Kakabé réitère son appel au dialogue. J'ai fait le choix de la cohérence et j'ai fait le choix de la stabilité. J'ai fait le choix de la paix. De mémoire d'homme politique ivoirien, depuis que Félix Houphouët-Boigny est décédé en 1993, je n'ai jamais vu une élection en Côte d'Ivoire organisée avec 100% des conditions réunies. Tôt ou tard, on a besoin de dialogue. Ça fait 3 ans que j'écris dans ce pays. Allons au dialogue. Plus que 10 jours avant l'échéance électorale, si le chef de l'État sortant Alassane Ouattara du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix RHDP et l'indépendant Kouadio Konaberté sont sur le terrain, pour convaincre des électeurs, le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, Henri Conan Bédié, et celui du Front populaire ivoirien, Pascal Afinguessan, quant à eux, refusent pour le moment de prendre part au processus en cours et réclament plus de recours des institutions telles que la Commission électorale CEI. Du côté du RHDP, je vous le disais en titre, le directeur de campagne chargé du projet de société du candidat, Patrick Lachy, a échangé avec le patronat. Il a dressé le bilan des actions économiques du candidat Alassane Ouattara devant les chefs d'entreprise. Il a également dévoilé les ambitions des prochaines années qui mettent un point d'honneur sur l'industrialisation. On retrouve Salif Yalekwe. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Patrick Lachy, par ailleurs directeur de campagne chargé des projets de société du candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP, était face au patronat ce mardi. Occasion pour lui de rassurer les acteurs du secteur privé quant aux actions que son parti compte mener les prochaines années pour améliorer le climat des affaires. Notre objectif, demain, est d'assurer d'ici 2030 l'entrée de la Côte d'Ivoire dans la classe des pays à revenus intermédiaires dans lesquels
la majorité de la population à un niveau de classe moyenne. Pour atteindre ensemble cet objectif de prospérité et d'inclusion, il faudra pérenniser les acquis du développement retrouvé et renforcer notre résilience aux chocs extérieurs. En deuxième lieu, accélérer notre marche pour propulser la majorité des Ivoiriens au statut de classe moyenne en soutenant un rythme annuel de croissance d'environ 8%. Nous devons tous admettre que pour atteindre ces objectifs ambitieux, de grands défis devront être relevés, notamment la diversification et la densification de notre économie afin de soutenir une croissance plus forte, à même de créer des emplois en nombre qui permettront de faire face aux dividendes démographiques de plus de 19 millions d'actifs en 2030. Le secteur privé en Côte d'Ivoire représente 2/3 du total des investissements du pays, 83% des emplois et plus de 90% des recettes de l'État. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place le premier programme national de développement sur la période de 2012-2015, d'un montant de 11 000 milliards de francs CFA. Le second PND, lui, s'étend sur la période 2016-2020 pour un montant de 30 000 milliards de francs CFA et vise à relever les défis d'industrialisation de l'économie. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les activités des différents états-majors concernant la campagne électorale. Dans le reste de l'actualité, des affrontements sporadiques ont eu lieu ce matin à Yopougon-Lièvre Rouge entre transporteurs et résidents du village Niangon à Djamé. Les transporteurs qui accusent les résidents du village d'avoir incendié 3 mini-cars Baka et un taxi communal Woro Woro en représailles ont envahi le village armés d'armes blanches, de gourdins et même, selon le témoignage des résidents du village, d'armes à feu. Bilan des affrontements, des blessés et d'importants dégâts matériels. Le reportage de Roger Appé, Yeli Traoré et Tanguy Conan. 4 véhicules de transport en commun, 3 mini-cars, Baka et un taxi communal Woro Woro, incendiés ce mardi matin vers 5h du matin au marché Bagnon, à Yopougon, Lièvre Rouge. À notre arrivée sur place, vers 10h30 ce matin, les carcasses des véhicules calcinés étaient encore visibles de part et d'autre de la route de Dabou. Le chauffeur d'un des Baka incendiés, avec des brûlures à la main, et son apprenti témoigne et accuse. J'ai vu les barrages à punaise. Quand j'ai freiné, à ce niveau, là, l'embuscade était derrière. Le barrage était là, mais le coin était derrière. Le temps de regarder, ils m'ont embarqué. Ils sont venus avec couteau. Quand ils m'ont tendu le couteau, ça ne m'a rien dit. Il dit, ah, donc ça ne te dit rien. Donc l'autre a tiré le pistolet maintenant. Il dit, ah, bon, comme c'est comme ça, descends du véhicule. Il dit, attends, je prends mes trucs pour descendre. Il dit, non. Maintenant, le prochain qui vient n'a pas cherché à comprendre. Il a arrosé l'essence en même temps. Puis l'autre est resté derrière là-bas pour envoyer la flamme. C'était pourquoi ils ont mis les maquillages, ils ont porté les kangous, d'autres en fusil dans les mains, d'autres en armes, pistolets, machettes. Tout le monde a vu ça ici matin. Les transporteurs accusent les habitants du village voisin de Niango, à Djamé, d'être derrière l'incendie des véhicules et mènent, en représailles, une expédition punitive dans le village, causant blessés et dégâts matériels. Autour de 5h du matin, 5h15 précisément, quand je suis sorti de ma cour, je vois un déferlement de jeunes venant du carrefour Lièvre Rouge. On ne sait pour quelle raison. Et après information, on se rend compte que les gens, les assaillants, disons, nous accusent d'avoir brûlé leur Baka. C'est une fausse accusation, une accusation sans fondement, sans preuve. Ils sont venus dans le village, ils ont fait plein de dégâts. Il y a eu des blessés, il y a un blessé par balle et il y a aussi des blessés à l'arme blanche. On a appelé les jeunes au calme. Et là, c'est une angoisse réelle parce qu'ils sont encore en train de s'organiser. On a appelé les forces de l'ordre. L'intervention de la police et de la gendarmerie fait baisser la tension. Mais des affrontements sporadiques opposaient les deux camps en fin de matinée, alors que la police faisait tampon entre les protagonistes qui s'observaient en chaîne de faïence, prêts à en découdre de nouveau. On en vient à la reprise timide de l'école ce mardi suite à la suspension du mot d'ordre de grève de la FESI. L'organisation dit préconiser la voie de la négociation,
Malgré cette suspension, dans plusieurs établissements scolaires, les élèves ne se sont pas bousculés à l'entrée des classes. Le constat de Nadia Eja et Mathurin Badé. Après les échauffourées survenues ce lundi entre les forces de l'ordre et des membres de la Fédération estudiantine et scolaire tentant d'interrompre les cours dans l'établissement, le lycée classique d'Abidjan a retrouvé son calme. C'est dans cette atmosphère apaisée, de nouveau propice à l'apprentissage, que se sont retrouvés Déborah Agri et ses camarades pour la reprise des cours ce mardi matin. C'est l'école, on est obligé de revenir. On ne sait pas comment on va faire, mais on est obligé. Ça dépend, c'est notre réussite qui compte. Donc on est obligé. Si la volonté de reprendre les classes est vive chez ses élèves, l'incident de la veille semble avoir freiné l'ardeur de certains professeurs. Il y avait 3 matières aujourd'hui. Ils ne sont pas venus, aucun professeur, rien du tout. Bon, il y a quelques professeurs qui sont là, mais la majorité ne sont pas là. Bon, ce matin, il y avait le cours d'histoire jour, français, SVT. Bon, c'est le cours de français seulement que nous avons pu faire. Le proviseur de l'établissement, quant à lui, est à pied d'œuvre pour assurer la bonne tenue des classes. C'est des choses qui arrivent hein, dans tous les pays. Il arrive quelquefois où il y a des mécontentements. Mais l'essentiel, c'est de reprendre le travail. Nous passons dans les classes pour les encourager à venir au cours, pour les sensibiliser pour que les cours se déroulent comme il le faut. La reprise totale des cours est en bonne voie au lycée classique. Mais dans ce groupe scolaire situé à Cocody, c'est une cour d'école totalement déserte. Autre commune, même constat. Les portes de cette école primaire sont closes depuis l'arrêt des cours ce lundi. Autant d'établissements encore impactés par la grève. Néanmoins, certaines écoles, comme cet institut d'enseignement technique, ont pu maintenir les cours en dépit du mot d'ordre de grève et tournent à plein régime. Bon, hier, pratiquement, on a fait cours ici toute la journée, de 7h30 jusqu'à 17h. Voilà. Aujourd'hui, comme vous le constatez, il est midi. Nous, on vient de finir le cours de midi. On reprend cet après-midi. Notons que la FECI avait appelé à l'arrêt des cours pour exiger la suspension des frais annexes du COGES avant de lever son mot d'ordre de grève à travers un communiqué divulgué dans la journée du 19 octobre. Justement, pour aborder l'actualité liée à l'école et à l'éducation nationale en général, nous recevons pour vous, chez vous ce soir, dans l'émission Sans Réserve, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, par ailleurs directrice de campagne chargée des femmes du RHDP. Elle sera nos invitées et répondra à nos questions. Sans réserve, ce sera juste après la météo. Fin de ce journal, préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure pour Sans Réserve.